Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu, sur l'application, le jeu sur le téléphone Water Puzzle Master. Et donc, c'est le jour 2, donc chaque jour, j'ai décidé de faire une vidéo, comme ça je peux vous montrer mon avancée et éventuellement les gains que j'ai pu obtenir. Je vais vous donner énormément de conseils dans cette vidéo, donc les amis, restez bien jusqu'au bout, parce que croyez-moi, pour l'instant, ça va être pas mal, je vais pouvoir vous décortiquer pas mal de choses, comme vous pouvez le voir, en une journée simplement, je suis au niveau 244. Alors, il y a une possibilité, c'est le jouer rapidement, et à chaque fois qu'il y a des objets qui arrivent, ou qu'on a des gains, de ne pas les faire et d'éviter de valider les publicités pour gagner plus vite. Vous voyez, j'ai reçu à 1000$ et 747 à points. Je vais vous montrer alors les encaissements. Hop, les encaissements. J'ai atteint le premier niveau à 178€, retirable sur PayPal, et j'ai fait une demande de traitement. Quand j'ai fait la demande hier, il y avait 9000 joueurs avant moi. Aujourd'hui, il en reste 2998. J'ai fait une demande aussi de deux. Après, j'ai récupéré, j'ai gagné 267€. Et il y a maintenant, il reste 2996 hier, il n'y en avait plus de 9000. Après 356, j'ai franchi le palier aussi, il reste 2994. Alors je ne sais pas si ça paye. Si ça paye, c'est vraiment la poule aux œufs d'or, mais j'y crois pas, j'ai vu les sommes, j'y crois pas. 445€, il reste 2995. Je suis arrivé à 691,53, 3297. Là, vous voyez, j'ai validé ensuite 890€. Mais maintenant, il faut que j'arrive au niveau 270, et je suis au 243e. Et au 270, ça pourra me mettre dans la liste d'attente des gains. Et à chaque fois donc que vous atteignez un palier comme ça, vous faites option de retrait et après vous avez une mission. Donc ma mission, quand j'ai validé ce challenge 890€, c'est d'arriver au niveau 270. Tant que je ne suis pas arrivé au niveau 270, ça ne valide pas, ça ne me met pas dans la ligne d'attente des gains à 890€ sur PayPal. Et surtout, vous avez un délai pour cette mission, et le délai c'est de 7 jours. Alors voilà, les amis, ce que je ne sais pas, c'est que par exemple le premier niveau, ici, quand je suis arrivé à 178€, j'ai fait la demande de retrait, il me disait qu'il faut arriver au niveau 30. Ok, après là c'est au niveau 60, et ainsi de suite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai gagné les niveaux plus rapidement, je n'ai pas fait les publicités pour gagner du temps, et comme ça, je suis monté beaucoup, beaucoup plus vite. La différence, c'est que là, celui-là, quand je l'ai validé, j'étais au niveau 180, et qu'il me fallait 90 niveaux pour arriver au 270. Donc, plus vous avancez dans le jeu, plus les niveaux sont difficiles, plus ils vous prennent du temps, et plus la mission est difficile et longue. Surtout, vous n'avez que 7 jours. Alors, moi, je dirais que dans les premiers niveaux, vu qu'il faut 30... niveau pour passer les premiers niveaux, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez les publicités pour augmenter votre cagnotte au maximum dans les premiers niveaux, et tout en jonglant avec le délai de 7 jours. Voilà les amis, c'est-à-dire que là, je ne suis pas pressé pour valider mes 270, puisque j'ai 7 jours pour le faire. Donc le but, c'est de cumuler un maximum de gains. Comme vous pouvez le voir, je suis à nouveau à 1000 pièces, et au prochain 1000€ sur l'application, parce que c'est du fictif, hein, prochain niveau c'est 1780, et là peut-être qu'il me demandera d'aller jusqu'au 500. Donc je vais aller doucement comme ça maintenant, et puis éventuellement, si je suis en manque de temps, je validerai, réussirai les niveaux, et je validerai pas les publicités pour gagner du temps. Alors attention par contre, plus vous avancez dans le jeu, plus les niveaux sont difficiles. Donc ça c'est pour la cagnotte, et puis pour les points A, alors, que vous avez pu voir, j'ai franchi le premier niveau qui me donne impossible bonus sur PayPal de 445€. Comme je vous dis, c'est du fictif, hein, parce que ces sommes sont tellement énormes que ça me paraît improbable. Et là, j'ai encore 6191 joueurs devant moi. Hier, quand je l'ai validé, j'en avais 9000. Je dis bien hier, parce que j'ai joué hier dans la soirée tard, et puis aujourd'hui, j'ai joué un petit peu. En fait, ça fait 24 heures que j'ai installé l'application, tout simplement. Voilà, je suis à 747 points, au prochain, ça sera 1000. Mais effectivement, peut-être qu'il faudrait que j'arrive au niveau 300 ou 350 pour commencer à être dans la liste d'attente. Donc c'est assez amusant, les amis, parce que vous voyez, il y a des paliers. Il y a des paliers jusqu'à 10 000 points ici. Pareil, pour les euros, il y a un palier jusqu'à 8900€ sur PayPal. Alors, moi, j'aimerais bien. J'ai hâte de savoir ce que ça donne. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai hâte de savoir où ça en est et ce que ça va donner. Si je suis un tirage au sort, je sais pas. Peut-être que c'est un tirage au sort et qu'il y a une personne sur 500 qui vont gagner cette cagnotte. En tout cas, je sais pas si c'est une arnaque, pas une arnaque. Je sais rien du tout. Mais je trouve ça assez amusant. Le jeu est assez sympa. Comme vous pouvez le voir, là, il reste 2998 joueurs devant moi. Là, c'est. Oula, j'arrive pas à voir. 2996. Et là, 2994,
dans cette zone en attente, là, de 1995. Et en fait, ça s'incrémente constamment et ça baisse constamment. Et hier, j'étais à 9000. Ouais. Vous voyez le jeu comparé au niveau 1, auquel hier j'ai fait en direct les 10 premiers niveaux. Là, je suis au niveau 244. Et maintenant, vous pouvez voir, il y a quand même à votre disposition, il y a 9 bouteilles. Donc, le niveau est quand même beaucoup plus difficile. Alors, il y a aussi une partie de prix. Comme vous pouvez voir, il y a une petite bulle ici avec des prix. À chaque fois que vous cliquez et que vous validez par une publicité ce prix, vous augmentez votre nombre. Alors voilà la liste. Par exemple, iPhone, je pense que c'est une arnaque aussi. Enfin, je pense que c'est trompeur. Je dirais pas une arnaque parce que j'ai pas payé d'argent de quoi que ce soit, mais j'ai du mal à y croire. Je suis à 5,6 sur 10 à force de valider les pubs. Microsoft Surface Pro, je suis à 5,3 sur 10. La MacBook Pro, 6,9 sur 10. Une TV à 1,5 sur 10. Un appareil photo 4,2 sur 10. 2 sur 10, un collier, enfin voilà. Donc on avance comme ça, jusqu'à éventuellement le gain. Mais je pense, comparé à d'autres applications, que plus que je vais me rapprocher du gain, et plus les validations seront petites, j'ai du mal à croire qu'on puisse gagner autant. Pareil, voilà, on peut aussi valider ici par des publicités. Alors, j'ai pas testé ces publicités pour augmenter ces possibilités de gain. Moi, ce qui me compte dans cette application pour l'instant, c'est que je m'amuse en fait, et je m'éclate à avancer, peu importe que je gagne zéro, enfin, peu importe, ça m'intéresse même pas, c'est de m'éclater. Après, les amis, si éventuellement je suis tiré au sort, ou je sais pas, il y a quelque chose qui arrive sur PayPal, là, je vous tiens au courant. Je vais vous faire un récap tous les jours de mon avancée dans le jeu, en sachant que voilà, hier j'ai pu valider plusieurs paliers d'encaissement et aujourd'hui, ben là, bon, je vois que ça bouge plus trop de 1990, 96, 94, 95, là 3259, ça ne bouge plus trop. Bon, bah écoutez, est-ce que justement ça va s'arrêter avant 1 et puis il n'y aura plus rien? Mais ça, je vais tout vous dire si c'est un site qui peut payer ou pas. Et en tout cas, c'est un site qui est plutôt amusant, c'est très stratégique de transférer. Vous voyez, je vais faire le niveau là. On va passer ça ici. Hop, on peut en faire presque deux en même temps. Moi, je trouve ça m'éclate en fait. Je trouve que le jeu est vraiment super sympa. Hop. Hop, on va le mettre là. Alors, le violet ici. Je le mets là, le rouge aussi, bon, ça je vais dire non merci. Voilà, je suis pas obligé de valider une publicité, je peux continuer à jouer sans. Voilà. Et voilà, là ça me propose un gain éventuel. Bon, je vais mettre non merci. Donc je gagne quand même 4,79 si je valide avec la pub, c'est 7,59, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà, et j'ai réussi le niveau. Hop, je vais valider avec la publicité ce coup-ci. Parce que c'est plus pour le fun. Et vu que là, je suis moins pressé, bon, je suis au niveau 200, j'ai validé le 244e niveau. À 270, je pourrais me mettre dans la liste d'attente des autres gains, et ainsi de suite. Alors là, je sais pas si ça plafonne ou pas. Je sais qu'hier, j'étais à 9000 et quelques, et aujourd'hui, je suis arrivé à 2000 et quelques en 24 heures. Quand je dis hier, c'est la soirée, parce que cette application, ça fait 24 heures que je l'ai téléchargée. Et donc effectivement en 24 heures je suis arrivé au niveau 244 en quelques heures. J'ai dû jouer oui au moins 3 ou 4 heures je dirais, parce que c'est vrai que c'est plutôt addictif. Voilà, et donc là voilà, on commence à chaque fois, les niveaux sont de plus en plus compliqués. Et puis je vais voir, est-ce que ça a bougé? 6168 ici. J'aurais aimé que ça bouge pour vous montrer. Alors, je vais essayer de grossir un petit peu pour vous montrer. Voilà, 6168, ça bouge pas. On va essayer d'aller sur les autres, on va voir. Je fais défiler. 3248, là, ça, il me semble que j'avais un peu plus tout à l'heure. 2995, ça va bouger. 94. 1996. 2998, bon, ça n'a pas bougé. Après, bon, il faut attendre un petit peu, c'est pas forcément instantané. C'est vrai que quand j'étais autour de 9000, je voyais le... Voilà, 4160, je voyais, bon, on dirait, hein. Non, c'est 6160, oh là là, c'est vrai que c'est tellement petit. C'est très très petit, par contre, alors voilà, faut s'arracher les yeux pour voir les chiffres de la liste détente. Et j'aurais aimé en direct que ça puisse boucher et avancer. Après, je sais pas comment ça marche, si ça marche par tirage au sort, si c'est un gain, si c'est on gagne vraiment quelque chose. Ah, j'ai pas de bol, parce que toutes les fois où j'ai pu regarder, j'ai vu que ça avançait, 3240, et que ah, c'est quand même pas de chance. Là, voilà, 6161, j'aurais aimé que ça avance en direct.
Donc voilà, c'est une liste d'attente. Je sais pas, alors, pour moi, c'est vraiment ça fait miroiter. Je pense que plus ça va se rapprocher de 1, et plus ça va se ralentir, et moins ça va payer, voilà, tout simplement. Moi, j'y crois pas trop, mais en tout cas, je vais tout vous dire, parce que cette application, bah, je la trouve quand même sympa pour le jeu et pour le fun, et je vais essayer comme ça, pendant plusieurs jours, de vous montrer mon avancement. En tout cas, les amis, malgré tout, en un jour, je suis arrivé en 24 heures au niveau 245. Et puis bah voilà, c'est le jour 2 qui commence. Et puis bah demain je ferai une autre vidéo, ce sera le jour 3, et ainsi de suite, plusieurs jours d'affilée, parce que comme ça je vais pouvoir vous montrer l'avancée et vous montrer ce que ça donne réellement, cette application. En tout cas, moi je m'éclate, ça m'amuse, et je ne cherche pas forcément à gagner quoi que ce soit, et je souhaitais vraiment vous en faire profiter. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure dans cette application en ligne, qui est un jeu un peu particulier. Alors, Water Puzzle Master. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.